Yo yo yo, c'est la team S3. Eh ouais, aujourd'hui mesdames et messieurs, on est de retour pour une nouvelle vidéo. Celle-là, elle va tuer sa mère. Je suis en compagnie de mon gars Moz, mon gars Jimmy, et bien sûr du goal le plus technique de France et du monde, a.k.a. Samuel Umtiti. On va affronter la fameuse football machine. Ça va être lourd de ouf. Gros big up à Club & Co qui a accepté de nous prêter sa machine pour réaliser ces challenges. Vous pourrez retrouver toutes leurs informations dans la description. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, on va vous présenter les trois challenges. Let's go. Calme-toi Trafi, on va d'abord expliquer le premier challenge. Le premier défi s'appelle rentre dans le cercle. Les règles sont simples, on doit contrôler la balle sur une passe longue du foot trainer en restant dans le cercle et finir avec un geste freestyle. Chaque S3 player aura 3 essais. C'est parti, on commence avec Moss, on va voir. Genre, tu vois, pendant l'échauffement, j'ai fait des petits contrôles grave mignons, petit Neymar. Là, c'est le vrai, je l'ai raté, moi je me connais. Ah, pas mal, moi. Ah, c'est limite. Je valide, mais il sait de quoi je parle. Ça va, c'était pas mal. Back up in this bitch, and now I'm looking like a target. Now I want everybody to succeed. I'm buying stick for us. Quelqu'un veut la balle? Tiens, je te la rends. T'as vu ou pas? Yo Jimmy Jimigno, je vais vous dire un truc, je suis peut-être le plus vieux du groupe, mais regardez bien. Oh là là, beau gosse Jimigno. Je me suis vraiment niqué. Ride slow with my team, YBG, yo, that's your boy gang. Bitch, I'm back with a bang. Je valide. Encore une fois, je suis obligé de leur montrer comment on fait, tu vois. Ils sont pas prêts. Joli. Quelqu'un veut la balle? Told me and told me there's a killer in the yard and explained how we got a good friend of mine. Now I'm rushing in the pool that morning and I see. Est-ce que ça mérite d'aller plus loin? 3 sur 3 potos. Premier défi, rentre dans le cercle, franchement, pas mal. J'ai été impressionné. Vraiment pas mal. Il y a du niveau sur le contrôle, sur le freestyle. Il est là. On a vu des choses. Crapaud, serpent, j'ai rien compris. Fin du premier challenge, yes. Victoire de Mr. T, Big Brother, je vous ai dit. En ce moment, j'ai prévenu. Mais avec Moss, on n'a pas dit notre dernier mot. C'est vrai, ils ont dit l'avant-dernier. On va le fumer. Ok, on passe au second challenge. Yo la S3 Family, le deuxième challenge, c'est presque le même concept. Le foot trainer nous envoie une longue passe. On doit la contrôler et jongler en courant jusqu'à une autre zone. Et dans cette zone, on finit avec un geste freestyle. Chacun aura 3 tentatives. Ce défi sera chronométré, ce qui veut dire que le plus rapide l'emportera. Évidemment, le plus rapide pour ne pas dire trafi, hein. Tiens, Jimmy. Allez, fonce! J'ai du mal! Freestyle! Ils veulent pas me dire le chrono! 27! C'est Tommy, hein! Ah ouais, 14-93 photo, attention! Ben bon! 27! Faut pas jouer avec mon cœur! Ouh! Alors, tu mignons! On est prêts? Ah, c'est pas prometteur ça! Elle est bonne! Oui! Yeah. Un move! On appelle ça la sécurité! Je fais une couronne! 4-0-8! 4-0-8, 4-0-12! Allez, 14,13. Oh, allez, coccinelle. Ah, autour de Moss, hein, on espère qu'il va faire mieux quand même. Hein. Ah là, c'est good là.
Comment c'est stressant. T'es pas dedans là. Eh bien, ce défi est terminé. J'ai fait une prestation assez... Médiocre, c'est ça le terme. Non, mais en fait, je vous explique. Parce que vu que en fait, je voulais leur montrer que je suis 100 fois plus fort qu'eux en frappe, oui. Fallait que je leur laisse un peu d'avance sur les contrôles. Exactement. Et du coup... C'est vrai. Bon, sinon, à part ça, on passe au dernier défi. Au dernier challenge. C'est le two touch, three shot, man. Human versus machine, and three challenge. Ouais, vas-y, on y va. Allez, batterie, dans ce troisième challenge, le foot trainer nous passera la balle. L'objectif sera de marquer un but à JMK sans faire plus de 2 touches de balle, avec toujours 3 tentatives par personne. Et tout cela en restant dans une certaine zone. Viens dire un petit mot. Mot. Back up in this bitch and now I'm looking like a target. I'm so fucking sick of. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'aurais pas dû passer la caméra à moi. Back up in this bitch and now I'm looking like a target. Le mouvement de la bicyclette était beau, mais la finalité, c'est que je me suis blessé. Chaque vidéo avec moi, je lui fais la même. Oh, elle est bête. Oh shit. Tu vois cette coupe pas coupée? Et bah ça veut dire que j'ai le seum. Là je suis sur le côté des gauchers, alors je suis droitier et j'essaye de, tu vois, de faire face à cet handicap. Ouais. Je savais que je pouvais la mettre du gauche. J'ai essayé de la redresser, c'était dur. Ouais, je vous jure, c'est pas qu'on est mauvais. Un but sur trois, c'est juste que lui, il est beaucoup trop fort. Il est trop fort, oui. On pouvait pas finir cette vidéo sans faire tester à JMK la puissance du foot trainer. Voici donc un petit bonus challenge pour le gardien le plus technique du monde. Franchement, la machine elle est incroyable. Yo yo yo, c'était la Team S3. Voilà mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vidéo. Mister T, victorieux encore une fois comme dimanche dernier. En tout cas, merci et gros big up à Club & Co. Merci d'avoir prêté la machine ball, comment vous l'appelez? Foot trainer. Foot trainer. Expliquez-nous c'est quoi Club & Co. C'est l'instant promo, vous avez 4 secondes. Alors en deux mots, Club & Co, on est une société de service pour les clubs amateurs et professionnels. On propose de moderniser les modules de coaching. Donc là vous avez vu une petite partie puisque c'est la machine à ballon, mais on a encore plein d'autres outils. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de modernité à apporter au football. Et Club & Co, on essaye d'apporter notre petite touche 2.0 au coaching et au football. Voilà ce qu'on fait tout au long de l'année. Et on a également une page Instagram avec Club & Co. Exactement. Vous pouvez aller checker toutes les informations. Exact. Et pas fort lui en promo. Voilà, donc, mesdames et messieurs, on va mettre toutes les informations dans la description. Il y aura leurs réseaux sociaux. D'ici là, la recette n'a pas changé, mesdames et messieurs. Si vous avez kiffé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et surtout abonne-toi. Oh, my God.
wake up in the morning about 3:45. But still tired as a motherfucker, weak as a fuck. Don't like coffee, but the smell is telling me have a dream. Put the pot on fire, get me in some coffee, fuck.